Merci Jésus ce matin. Ce matin nous chantons pour toi ce matin. Alléluia, celui qui a pris nos péchés à la croix ce matin. Il a vaincu la mort et il nous a donné sa sainteté. Et nous, ses enfants, assemblés, les justes et les saints, tu as fait de nous des saints pour toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons t'adorer ce matin et chanter à notre Père qui est saint et lui rendre toute l'adoration qu'il mérite. Alléluia. Merci Jésus.
Jésus-Christ. L'agneau immolé, l'amour sacrifié, l'agneau qui nous a rachetés, le prix de son sang est présent au milieu de nous. Et nous t'adorons, Père, ce matin. Nous, tes fils que tu as rachetés. Alléluia, nos voix se lèvent dans ta présence pour te dire amen, 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 amen. Jésus, gloire à Jésus. Amen à Jésus. Amen à Jésus. Amen à toi, papa. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Raba sharaba cantara bahite, ole makanti kina la mama mashigelebe, ola mashaka ya bayate, le makante mama mama shigelebe, ama mashike telebele baba baba baba, yeki tara baba shi, olo boshi. Je lèverai ma voix pour chanter que tu es saint, aucun est saint. Je lèverai ma voix pour l'adorer car il est saint. T'adorer, oh mon Dieu.
On chante pour lui. On chante pour lui, chante pour lui, chante pour lui. Chante pour lui. Lui t'adorer. Papa, nous continuons d'acclamer notre Père. Alléluia. C'est le lieu de rendre gloire au Seigneur pour son amour, sa fidélité. Nous sommes maintenant au 7e mois. Je pense que c'est notre premier culte du mois de juillet. Donc il y a lieu de véritablement lui dire merci pour ce mois qui vient de passer, parce qu'il a été avec nous. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que nous devons célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Alors si tu es d'accord avec moi, commence à lui dire merci. Les mains élevées et nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le mois de juin. Ensemble prions le Seigneur. Excellence Père de grâce, nous te disons merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Nous sommes maintenant au 7e mois. Le 6e mois, tu as été avec nous. Le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, au 6e mois. Tu as été toujours en rendez-vous. Jamais tu nous as délaissés. Jamais tu nous as abandonnés. Nous sommes tellement heureux de savoir que tu es notre Père et tu n'as jamais démissionné. Tu es le Père le plus responsable, le Père le plus magnifique, le plus génial, Seigneur. Tu es la véritable expression de l'amour. Merci Seigneur pour nos enfants que tu as gardés, que tu as protégés. Nous voulons te dire Seigneur, merci pour ta grâce immense. Nous ne voulons pas commencer ce 7e mois sans te dire merci. C'est tout ce que nous pouvons te donner Seigneur. Tu es esprit. Mais si ce n'est que les pensées de mon cœur et le fruit de mes lèvres, qu'est-ce que je pourrais te donner Père? La main sur le cœur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour l'église grâce sur grâce. Merci pour cette communauté. Tu as préservé ta troupe. Tu as été avec chacun de cette mission. Tu nous as protégés d'une manière extraordinaire. La prunelle de tes yeux. Nous nous sommes réveillés chaque matin. Même quand nous avons reçu des attaques.
attaque à plusieurs niveaux. Seigneur, c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as protégés. Voilà pourquoi nous ne cessons de te célébrer et de t'adorer. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Dans le même élan, nous allons prier pour le septième mois. Et nous rentrons avec cette pensée de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à la mort de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Et je serai avec toi. Oh, quelle lettre d'amour. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Les docteurs te disent que voici les médicaments pour l'attention. Les vrais médicaments de l'attention, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis, ça t'apaise d'une manière extraordinaire. Le Dieu créateur du ciel et de la terre me dit qu'il est avec moi et qu'il ne m'abandonnera pas. Quelle assurance de savoir que dans cette vallée remplie de méchantes personnes, il est mon compagnon de tous les jours. Qui peut me faire? Et c'est comme ça que quand il continue, au verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, pendant que nous serons en train de prier pour le septième mois, nous allons commencer à l'exalter. Pourquoi? Parce que nous avons cette conviction tout au fond de notre cœur qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il sera avec nous. Et quand le Seigneur dit qu'il sera avec nous, il sera dans les moindres détails dans ta vie. Au niveau financier, il sera avec toi. Par rapport à ta santé, il sera avec toi. Par rapport à tes marchés, il sera avec toi. Il te donnera les meilleurs mets. Là où tu n'as pas déposé tes dossiers, oh, je prie que le Seigneur arrive à te faire voir des choses extraordinaires. Les gens vont t'appeler, tu vas te poser la question, mais qui a déposé mon dossier? C'est le Seigneur qui l'a fait. Il faudrait que des choses comme ça vous arrivent, vous comprenez que Dieu est là. Il faudrait que ça vous choque. Vous arrivez dans une entreprise, mais je n'ai pas déposé mon dossier. Si on dit, si, il y a quelqu'un qui est venu déposer ça en ton nom. Et tu regardes autour de toi, aucune personne ne t'a appelé. Et tu vas te mettre en genoux pour célébrer le Seigneur, pour dire, effectivement, Père, mets-toi avec moi. Élève les mains et commence à lui dire merci pour ce septième mois. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que je connais les projets que tu as formés pour moi. Des projets extraordinaires. 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 Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Tu as fait que tous les membres de l'église grâce sur grâce, tous les fidèles, les responsables, les pasteurs, mais toutes ces personnes qui sont ici et ailleurs, dans nos familles respectives, tu es toujours avec nous. Voilà pourquoi nous voulons seulement que tu dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Moi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Si tu nous demandes de ne pas avoir l'amour de l'argent, c'est parce que le cœur est vraiment très enflammé lorsqu'on parle d'argent. Mais nous devons savoir, Père, au travers de cette écriture, que tu es tout puissant, à qui appartient l'or et l'argent. Nous ne pouvons pas courir pour des choses que nous avons déjà en toi. Parce que ta présence en nous répond à tous nos besoins. La Bible déclare que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et si nous savons que sur cette terre des hommes, nous avons besoin du matériel et du nécessaire, nous savons que tu as cette capacité de pouvoir produire au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, ce matin, nous prenons un engagement pour ce septième mois d'avoir le regard fixé sur toi. Aucune activité ne pourra nous ravir de ta présence, de l'adoration et des rendez-vous que nous avons fixés à la maison, dans nos temples. Nous voulons véritablement être des enfants obéissants, t'adorer véritablement en esprit et en vérité.
aucune chose ne pourra entraver l'amour que j'ai pour toi. Je suis conscient de ce que tu as pour moi. Mais sur moi, aucune chose ne pourra entraver l'amour que moi j'ai pour toi. Il est important que nous puissions engager véritablement notre amour pour toi. Parce que tu as fait des choses extraordinaires. Sur moi, Seigneur, tu as la primauté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est extraordinaire. Amen. Alléluia. Allons-y.
Dis à ton voisin que nous sommes forts en Christ pour aider les plus faibles. Pas pour marcher sur eux, mais pour les aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es d'accord, acclame Jésus-Christ. Si tu es d'accord, acclame Jésus-Christ. Si tu es d'accord, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, nous continuons notre séminaire sur la Pentecôte. À qui ce séminaire profite véritablement? Ah, il est seul. Ah, vous êtes deux. Ah, félicitations. Ah, trois personnes. Ah, quatre, cinq. Ah, six. Alléluia. Et il ne faut pas seulement qu'écouter, il faut les mettre en pratique. Amen. Il ne faudrait pas seulement qu'ils les écoutent. Il faut les mettre en. Il faut les mettre en. Il faut les mettre en. C'est très important. Ce matin, je vois les anciens visages. Je suis très content. Vous êtes le présage de ce mois de juillet. Bonne arrivée à la grâce. Alors, nous continuons notre séminaire celui-là. Nous sommes au quatrième numéro. Au quatrième numéro. Le Seigneur nous a fait comprendre d'une manière extraordinaire ses grâces et son amour. Lors du troisième numéro, nous avons vu véritablement la manifestation de cette Pentecôte. Nous avons eu une image en Jean chapitre 12 à partir du verset 24, afin de pouvoir comprendre d'une manière pratique le Saint-Esprit en nous. Nous avons dit que la Pentecôte, c'est Dieu qui fait de notre corps son habitation. C'est là que Dieu réside. Dieu réside en toi. Est-ce que tu le comprends? C'est vrai que nous avons tendance à lever comme ça la tête en regardant le ciel pour espérer voir Dieu. Mais avant de lever ta tête, il faudrait que tu aies conscience qu'il est déjà en toi. Ça c'est le débat. C'est ça la Pentecôte. Il est là, il est en toi. Il faut le croire véritablement. Alléluia. Et nous avons... Grâce à Jean, nous avons trouvé une image. Parce que lorsque nous sommes en train de parler du royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à une graine qu'on met en terre, une graine qu'on va s'aimer. C'est comme ça qu'il parle du royaume. Lorsqu'il veut expliquer le royaume des cieux en termes de parabole, pour que nous puissions comprendre, il parle d'une graine qu'on a mis en terre. Et la particularité de la terre, c'est qu'elle te transmet ce que toi tu lui donnes. La loi de la semence nous dit quoi? Mais tu mets une graine en terre, elle ne pourra que te donner. Mais cette graine que tu as semée, tu mets un peu de maïs dans la terre, lorsqu'elle meurt, elle va te donner des milliers de quoi? Mais de maïs. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous a expliqué encore par cette parabole qui se trouve en Jean chapitre 12 à partir du verset 24. Il dit, vous voulez m'arrêter, vous voulez ma mort, très bien, c'est parce que je suis seul. Et effectivement, en ce moment, Jésus-Christ était appelé comment? Fils unique, il n'était pas encore le premier-né. L'expression premier-né, nous le voyons dans les épîtres. Mais dans les évangiles, il est le fils unique. Et lorsqu'on parle de fils unique, ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de fils de Dieu. Il était le fils unique. Donc c'est comme ça qu'il va donner une autre parabole. Il dit que si un grain de blé tombe et ne meurt, il demeure comment? Seul. Mais s'il meurt, mais ce sont des milliards et des milliards de graines qui ne pourront que sortir. Et c'est comme ça que cette semence-là, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est cette semence. Et il a dit se mettre en terre, afin que nous puissions être plusieurs au nom de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est la semence. Et il est allé en terre. Et la loi de la semence nous dit que ce que tu mets en terre, mais c'est ce qui va sortir avec une quantité industrielle. Et quand Jésus-Christ est parti en terre,
le but d'avoir plusieurs personnes comme lui, une génération du Christ. C'est ce qu'il a fait à la croix du Golgotha. Une génération, mais de Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler, lorsque nous voyons cet verset, nous les comprenons mieux. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que lorsque nous mettons une graine en terre, mais la terre ne pourra que te donner ce que tu as déposé en elle. La terre ne pourra pas te donner ce que tu n'as pas déposé. Donc nous devons comprendre que si nous sommes véritablement enfants de Dieu, tout ce qui est vrai pour Jésus, mais est vrai pour toi. Tout ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour toi. Est-ce que tu sais? Ce qui ne peut pas atteindre Jésus ne va pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Ce qui ne peut pas vaincre Jésus ne pourra pas te vaincre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque nous prenons le livre de Genèse et nous voyons Adam qui dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, les os de mes os et la chair. Bien-aimé, ce n'est pas anodin. Je dis, avec le livre de Genèse, nous pouvons expliquer toute la Bible. Mais cette parole que Adam a proclamée, mais c'est comme Jésus aussi pouvait proclamer cette parole. Pourquoi? Lorsque Dieu voulait faire sortir la femme, il a fait dormir Adam, n'est-ce pas? Et c'est de Adam que la femme est sortie. De la même manière, pour que l'église puisse naître, pour que toi et moi nous puissions être là, revêtus de son esprit, il fallait aussi que Christ aille dormir en terre. Et lorsqu'il part dormir en terre, il y a ce automatisme-là qui se crée et son esprit vient en toi. Et quand il te voit, il dit cette fois-ci, voici l'image, voici ma ressemblance. De la même manière que Adam pouvait dire, voici la chair de ma chair, mais Jésus peut dire, voici celui que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je vous ai fait comprendre que la réalisation de ce verset, qu'il est l'image et la ressemblance, c'est lorsque le Saint-Esprit est en nous. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas l'image et la ressemblance de Dieu. Ne regarde pas la figure que toi tu as. Je parle en termes d'esprit. Je parle en termes. Je ne parle pas en termes de forme. Ah, mais non, c'est pas pareil. C'est l'esprit. Et c'est comme ça qu'il peut dire, voici que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais c'est lors de la Pentecôte que toutes ces choses-là se réalisent. Donc quand toi tu es en train de dire que tu es l'image et la ressemblance de Dieu, mais ce que Jésus fait, c'est ce que tu fais. Ce que Jésus fait, c'est ce que Jésus-Christ ne fait pas, mais ce n'est pas ce que tu feras. Amen ou pas amen? C'est comme ça que lorsque nous sommes sur la terre des hommes, nous pouvons que marcher comme lui il a marché. En fait, c'est lui qui est en train de vivre sa vie en toi. C'est l'esprit qui était en Jésus. L'esprit qui était en Jésus, c'est le Christ. Et c'est ce Christ-là qui est en nous. Voilà pourquoi quand il est écrit dans la Bible n'a pas dit qu'on est en Jésus. On dit nous sommes en. Et Christ est en. Donc l'esprit qui animait Jésus sur la terre, c'est le même esprit qui est en toi. Il dit, nous n'avons pas l'esprit de l'homme, nous avons l'esprit de Christ, afin de pouvoir sonder les profondeurs de eux. Donc ce que toi tu as, c'est l'esprit de eux. Mais c'est l'esprit de Christ. C'est ça que nous parlons de la Pentecôte. Et à ce niveau de compréhension, bien-aimé, il faudrait que tu saches que tout ce qui est vrai pour Jésus, parce que c'était le Christ qui était en lui, donc tout ce qui était vrai pour lui est aussi vrai pour. C'est une question d'héritage. S'il avait cette capacité à ordonner, toi aussi tu as cette capacité d'ordonner. S'il avait cette capacité de guérir, toi aussi tu as cette capacité de guérir. Si il avait cette capacité de pouvoir vivifier, toi aussi tu as cette capacité de vivifier. Donc tout ce qui est vrai dans la vie de Jésus-Christ est aussi vrai au nom de Jésus-Christ. De la même manière, les apôtres ou les disciples pouvaient se dire, mais à qui est cet homme? À qui même le vent et la tempête obéissent? On doit rendre ce témoignage-là aux yeux de toi. Bien, mais il ne faut pas limiter ce grand Dieu. On n'arrive pas à voir des miracles, des signes et des prodiges à cause de notre intelligence. Bien, mais avec Dieu, il ne faut pas être intelligent. Avec Dieu, on parle de la foi. C'est la foi qui opère dans toutes choses.
ton intelligence te tire un peu vers ton humanité, mais la foi te tire vers le divin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit ton intelligence te tire vers l'humanité, mais la foi te tire vers le divin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons vivre ce divin-là sur la terre. Et tout est possible par quoi? Mais par la foi. Et aussi, si nous avons cette capacité, ce privilège de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu est, de tout ce que Christ est pour nous, il faut comprendre aussi que lorsque nous sommes en train de parler d'héritage, on ne peut pas prendre seulement un seul angle. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la Pentecôte, nous parlons de cet héritage qui est dans nous, par le Saint-Esprit qui est le gage de notre quoi, de notre héritage. Mais il ne faudrait pas croire dans ta tête, il ne faudrait pas croire dans ton esprit que tu vas prendre l'héritage en partie. Non, on prend l'héritage dans la totalité. Mais toi, qui toi tu es? Toi, tu veux hériter d'une personne qui a des milliards. On dit que toi, tu es l'héritier de telle personne. Voici 20 milliards. Les 20 milliards sont à toi. Et on te dit, voici, il doit 500 000. Toi, tu dis, non, toi, tu vas payer 500 000. Est-ce que tu trouves ça normal? Lorsque tu dois hériter d'une personne, mais tu hérites de tous ses biens. Tout ce qu'il a. Mais c'est ce que tu vas prendre. Si tu prends la maison de quelqu'un comme héritage, mais les impôts sont aussi à. Mais c'est comme ça que lorsque nous héritons de Christ, mais ce n'est pas seulement que la gloire, ce n'est pas seulement que poser les mains pour que ces personnes puissent guérir. Nous héritons aussi de ces souffrances. C'est pour ça que certaines personnes sont venues à Christ comment? Tu veux te marier? Viens à Jésus-Christ. Tu veux avoir un enfant? Viens à Jésus-Christ. Tu veux quoi? Tu veux avoir un bon boulot? Viens à Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est ta motivation première lorsque tu te trouves en Christ. Mais si ce n'est pas ce genre de choses-là que tu dois venir à Christ, et quand tu vas rencontrer souvent des difficultés, mais tu vas vouloir fuir. Il faut savoir que lorsque nous sommes en Christ et que Christ en nous, on n'hérite pas seulement que de la gloire, nous héritons aussi de la souffrance. Et quand je suis en train de parler de la souffrance, je ne suis pas en train de parler des liens de famille. Non. Parce que quand je parle de souffrance, le pasteur même dit que nous souffrons. Donc quelle est sa souffrance? Ce sont les liens de famille, ce sont les adultères. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La souffrance dont la Bible parle ici, nous allons la connaître. Mais ça n'a rien à voir avec le diable qui te possède. Ça n'a rien à voir avec la malédiction générationnelle. Ça n'a rien à voir avec tous ces genres de choses-là. La souffrance est liée à quel niveau? Parce que quand Jésus-Christ était sur la terre, ce n'est pas la maladie qui l'a fatigué. Qu'est-ce qui a fatigué Jésus-Christ? Ce qui a fatigué Jésus-Christ là? Mais qui va te fatiguer? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'élève, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et ce qui est arrivé au maître va arriver au serviteur, va arriver à toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé au maître? Est-ce que ce sont les autels? Est-ce que ce sont des malédictions générationnelles? Non. Prenons Romains chapitre 8, verset 17. Il dit, or, si nous sommes enfants, Je te parle à toi qui crie en Jésus-Christ. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Qui sont les héritiers du Seigneur? J'aimerais voir les mains levées. Donc ça veut dire que ce qui suit là vous concerne. Héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Je crois que ça, je l'ai déjà expliqué. Mais il y a des nouvelles personnes, il faut toujours expliquer. Nous n'avons pas d'héritage avec Dieu. Mais nous avons héritage par Christ. Parce que c'est lui qui est notre grand frère. Cette filiation avec Dieu n'existe qu'en Christ. C'est en Christ qu'il y a cette filiation entre Dieu et nous, entre son enfant. Donc nous sommes aujourd'hui héritiers, mais pas co-héritage avec le Christ. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas d'héritage. Si moi je ne suis pas là, il n'y a pas d'héritage. Il faudrait que les deux soient là pour qu'il y ait cet héritage. Donc moi, le fait que Christ soit en moi, l'héritage de Jésus-Christ, l'héritage de Dieu est réel dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il dit, co-héritier de Christ, si toutefois
souffrons avec, si toutefois, mais le problème avec toi, tu ne veux pas souffrir. C'est-à-dire, c'est aussi des gens qui aiment le mien, nous. C'est-à-dire, ils aiment tout ce qui est doux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un peu de complications, ah non, 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 moi je ne veux plus manger avec le Seigneur. C'est-à-dire, toi, c'est la douceur. Tu es là, tu gagnes l'argent, tu vis bien, tu viens à l'église quand tu veux, à l'heure que toi tu veux, tu fais ce que toi tu veux, tu es peinard. Et puis voilà, c'est ça toi ta vie. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la vie des féticheurs. La vie chrétienne est liée à des souffrances. C'est la vie des féticheurs, là, il n'y a pas souffrance là-bas. Mais la vie en Christ, il y a la souffrance. Tu vois, quand j'ai dit ça comme ça, c'est l'ancien seul qui dit amen. Mais tu ne veux pas cette souffrance-là. Mais qu'on va rentrer dans les bénédictions, tout ce qui est vrai en toi, c'est vrai en moi. Alléluia. Mais qu'on parle de souffrance, de crise, mon gars, il faut rester à tes souffrances là-bas. Moi, il reste à la gloire ici. Non, les deux sont liés. Mais votre premier ministre vous a dit, plus vous souffrez, plus vous vivrez. Mais le gars, il a été un prophète. Mais il vous a dit, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ou bien vous voulez des joies morceaux par morceaux. Les joies morceaux par morceaux, ce n'est pas le Christ. Le Christ, c'est la vraie joie. C'est ça. Tu veux la joie morceau par morceau ou bien la joie tout court. Donc il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Donc nous voyons, nous avons trois choses que nous retenons dans ce verset. Nous sommes héritiers avec lui. Ça c'est un. Nous souffrons avec lui. Et nous serons glorifiés aussi avec. Mais voici les trois choses. Mais toi tu dis que non, moi je vais être seulement son héritier. Et je ne vais pas aussi souffrir avec lui. Mais quelles sont les souffrances de Christ? Mais lorsque nous vivons dans ce monde rempli de cruauté, rempli de méchanceté, et que nous savons que ce qui est en Christ, c'est la bonté, c'est la sainteté, c'est l'amour. Mais c'est comme ça que nous devons être aussi ses représentants en manifestant l'amour, en manifestant la sainteté ici. Le faire, ça sera difficile parce que nous sommes en face des personnes qui ne veulent rien comprendre de la sainteté. Nous sommes en face des personnes qui sont foncièrement méchantes. Nous sommes en face des gens qui cherchent à faire seulement que du mal. Donc si toi, tu dois vivre dans ce monde où les gens sont contrés à ta manière de voir, mais c'est comme ça que la souffrance commence. La souffrance, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un te fait du mal. Au lieu de rendre par le mal, toi, tu lui rends par le bien. C'est ça la souffrance de Christ. De toi à moi, laissons la prédication là. Le gars qui a pris le bois, chicoté Jésus-Christ. Bah! Bah! Mais qu'est-ce qui est sorti de son cœur? Maintenant, toi, est-ce qu'on a besoin de te frapper comme on a frappé Jésus? On t'a mal regardé. La sœur, elle se prend, hein? Parce que quoi? Mais l'homme n'est rien. Mon frère, c'est ça que nous devons porter. Parce que nous, lorsque les chrétiens, on parle de miracles, on parle de signes, on parle de prodiges, on parle des choses extraordinaires, mais c'est bien. Mais nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants de Christ. Et si nous sommes là, la manière que donc Christ a vécu sur la terre, dans ce corps appelé Jésus, c'est comme ça qu'il va se servir de ton corps aussi, afin de pouvoir manifester l'amour. Et lorsque tu seras en train de manifester cet amour-là, ça sera compliqué. Ça sera difficile. Vous voyez, les choses comme l'humilité, la patience, ce sont des choses qui font très mal. Lorsque tu es en train de manifester l'humilité, la patience, quand celui ou celle qui est en face de toi n'est pas intelligent, il va dire, le gars là, il est faible. La femme là, elle est faible. Et c'est ça qui fait un peu, c'est ça qui fait le plus mal. Parce que tu décides d'être humble. C'est même pas que tu décides, toi-même tu es humble. Et toi-même tu es patient. Et la personne de l'autre côté, elle ne voit pas le fruit de l'esprit que toi tu es en train de manifester.
La personne de l'autre côté dit, oh, c'est cette personne, elle est trop faible, donc je peux marcher sur la personne. Alors que toi-même, tu sais que si tu veux rentrer dans cette manière de voir-là, tu peux peut-être descendre la personne. Et le fait de ne pas répondre, ça fait encore mal. Mais c'est ça qui est la souffrance de Christ. Mais le problème avec toi, ça fait une fois. Seigneur, je bénis ton nom pour la force que tu me donnes. Ça fait deux fois. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur Jésus, descends. Troisième fois, bah, il t'a parlé. Moi, il t'a parlé. J'étais prévenu. Bien, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas compté. Il y a des gens, ils se sont dit, ils ont cahier de rancune. Ce n'est pas un cahier physique, tu as noté ça dans ton cœur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ce n'est pas normal. Si tu vois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui pollue ton atmosphère, il faut fuir. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce corps que tu as, le corps ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas prendre ce corps-là pour faire ce que toi tu as envie de faire. Ce corps-là appartient à Christ. Et c'est Christ qui l'utilise quand il veut et comme il veut. Donc voici la Bible qui nous dit, si nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, mais pourquoi tu refuses de souffrir avec lui? Et la souffrance de Jésus-Christ est liée à la justice qu'il prenait. Il est le Dieu de justice. Le fait de prôner cette justice-là, ça fait qu'il n'était pas aimé. Il était détesté. Il était toujours difficile. Les gens ne pouvaient pas l'accepter. Mais comment est-ce qu'on pouvait vouloir... les gars souhaitaient délivrer Barnabas et laisser Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ était un bandit. Alors que Barnabas était un voyou, c'était un bandit. Les gars ont préféré Barnabas et laisser Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toi et moi n'est pas pareil. On pouvait sauver celui qui est pareil avec nous. Barnabas était comme eux. Mais on ne peut pas sauver toi, Jésus, parce que toi tu n'es pas comme nous. Mais ta présence nous emmerde. Regarde, les gens vont commencer à te haïr dans cette église-là parce que tu as décidé de venir à 8h comme le pasteur t'a demandé de faire. Le frère là, il veut dire quoi? La soeur là, il veut dire quoi? Non, c'est elle que. Tu vois, parce que tu as décidé de rentrer dans les rangs. Les gens ne vont pas vouloir prendre appui sur toi en fait de marcher dans la vérité. Mais ils vont te voir, c'est ceux-là qu'il faut qu'on garde ton nom ici-là. C'est-à-dire que les gens ne vont pas vouloir grandir. Mais parce que tu fais ça, oh, voici le frère zélé, voici la sœur zélée, voilà qu'on parle de Dieu, elle est la première. Tout ça, c'est pour que toi, tu lui ressembles. Mais je ne vais jamais te ressembler au nom de Jésus-Christ. Jamais, dis-moi, jamais je vais te ressembler. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Mais le problème, on ne veut pas de cette souffrance. Mais il faut savoir que lorsque Dieu sait faire un peuple, et ce peuple-là, c'est toi et moi, Dieu sait faire une nation sainte. Cette nation sainte-là, c'est toi et moi. Et Dieu s'appuie sur nous. Il s'appuie sur ce corps-là. Parce que son esprit est dedans. En fait, de pouvoir manifester ce qu'il est sur cette terre. C'est pour ça la Bible. La terre entière attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Donc on a besoin de véritablement manifester ce divin qui est en nous. On a besoin de manifester ce Dieu puissant qui est en nous. Et la manifestation, c'est la souffrance. Parce que nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'amour. Et être dans ce monde où il n'y a pas d'amour, triompher avec l'amour, mais c'est compliqué. Lorsque tu prends une salle, tout est fermé, c'est noir, et que tu mets l'ampoule. L'ampoule sert à faire quoi? Il n'y a pas un moment où l'ampoule va dire que non, j'ai tellement éclairé, j'ai devenu un peu ténèbre. Ça n'existe pas. Et si la Bible dit que toi tu es lumière du monde, c'est parce que toi là, tu es fait pour éclairer. Mais pourquoi éclairer? C'est parce que ces personnes-là ne sont pas éclairées. Ces personnes-là ne sont pas éclairées. Et la personne qui est éclairée, c'est toi. Et c'est toi qui dois faire briller ce monde-là au nom de Jésus-Christ.
Mais c'est comme ça que nous serons en train de souffrir, parce que nous avons décidé de porter ce flambeau. Nous avons décidé de révéler Christ au monde entier. Maintenant, toi, tu veux la gloire. Toi, tu veux les miracles. Tu veux des signes. Tu veux des prodiges. J'aimerais qu'on puisse dire que voici l'enfant de Dieu. Mais quand on dit voici l'enfant de Dieu, ce n'est pas par rapport au miracle. C'est par rapport à ce que tu dégages. La Bible dit, on les reconnaîtra. On les reconnaîtra. Et quel est le fruit? Mais c'est l'amour, bien-aimé. Je ne suis pas venu pour te mentir. Je suis venu pour t'annoncer la vérité de l'évangile. Je suis venu pour t'annoncer la vérité de l'évangile. Tu as vu ce monde chaotique. Et l'amour du Seigneur t'a attiré. Tu as dit, je ne veux pas vivre de cette vie-là. Ton amour est vrai. Ton amour est extraordinaire. Et tu l'as accepté, il a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est là que le combat commence pour toi. Parce que tel que tu es devenu, c'est comme ça aussi que nous devons annoncer cet évangile-là. On fait que toutes ces personnes-là soient aussi en communion avec nous. Parce que la véritable communion est avec le Fils. Et qu'est-ce que nous faisons de ça en ce moment-là? Lorsque le Seigneur nous a lavés, lorsque le Seigneur nous a purifiés, lorsque le Seigneur nous a mis à part. Mais pourquoi il nous a mis à part? Il nous a mis à part à cause de son œuvre ici-bas. Mais quel responsable d'entreprise va te qualifier pour être dans son entreprise et tu vas rentrer dans cette entreprise-là et faire ce que toi tu as envie de faire? Non, lorsque nous rentrons en Christ, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, on fait ce que la parole nous demande de faire. Mais toi, tu veux être ici. En réalité, le Christ ne t'a jamais intéressé. Ce qui t'a intéressé, c'est ton argent. Ce qui t'a intéressé, c'est comment Dieu va te rendre puissant. Ce qui t'a intéressé, c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prêcher, et lorsque nous sommes en train de libérer des bénédictions, toi, quand on libère des bénédictions, ton ennemi, c'est l'homme, ce n'est pas le diable. Et si nous n'avons pas d'ennemi, non, mais nous avons l'ennemi, le diable. Mais toi, quand tu es en train de lancer des prophéties, toi, c'est l'homme que toi tu vois. Par exemple, quand je te dis que tu ne seras pas dominé, mais je le dis par rapport à qui? Par rapport au diable. Mais toi, tu dis ça par rapport à la commerçante qui est en face de toi là. Tu ne vas pas me dominer, tu ne vas pas me dominer. Mais non, c'est par rapport au diable. Tu peux dans le groupe musical, c'est les gens bien que toi, apparemment de faire de l'homme. Tu ne vas pas me dominer, tu ne vas pas me. Non, cette domination là, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour le diable. Donc tout ce que nous avons comme bénédiction, voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, lorsqu'on est fort, ce n'est pas pour piétiner les plus faibles. Lorsqu'on est fort, c'est pour aider les plus faibles. Mais toi, tu ne peux pas prendre cette force-là, mais pour aller piétiner les gens. Il y a des gens qui ont quitté le monde frustrés parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et on leur a dit que Jésus-Christ, ça lui appartient l'or et l'argent. Moi, je viens à l'église pour que Dieu me donne l'argent. Et quand cette personne reçoit de l'argent, c'est quand on lui a fait, elle cherche à refaire ça à d'autres personnes. Tel qu'on a marché sur moi, tellement qu'on m'a humilié. Moi aussi, je dois marcher sur les gens et je dois aussi t'humilier. Et j'aimerais déjà te dire que le lieu, l'église, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ah non, moi, mon église là, non, mon pasteur là, quand tu arrives là-bas là, c'est la prospérité. Quand tu arrives là-bas là, c'est la grâce. Les choses vont marcher dans ta vie. Clou, 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 clou. Les gens arrivent, et hey, je veux la grâce. Et hey, je veux la grâce. Je veux la. Tu as la grâce maintenant de venir à 8h, tu ne viens pas. Parce que tu n'es pas venu pour adorer, tu es venu chercher l'argent. C'est pas vrai. Mais il ne faudrait pas vivre dans cette atmosphère-là comme ça, jusqu'à ce que peut-être la fin arrive et tu seras surpris d'être en bas. Parce que quand on veut nous chercher, tu seras pas dedans. Parce que dans ta tête-là, c'est l'argent. Dans ta tête-là, c'est la gloire. Et pas la gloire de Christ. Hein? Tu sais de quelle gloire on parle. C'est la gloire pour te montrer. Mais qui t'a dit que nous sommes venus à l'église pour ça? On n'est pas venus pour ça.
Bien-aimé, ce n'est pas l'endroit idéal pour se montrer. Non! Si nous devons nous montrer ici, c'est la démonstration de l'amour exagéré. C'est-à-dire, vois véritablement le fruit qui se manifeste dans la vie de ce frère. Je suis impacté lorsque je vois cet amour-là sans furiture. Oh là là, Seigneur! Mais c'est ça! Ne venons pas à l'église pour chercher des choses que le monde peut nous donner naturellement. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de parler de l'héritage, on est exalté. Mais quand on parle de la souffrance, on est calme. Quand on parle de la souffrance de Christ, on est calme. Les gens ne vont pas nous aimer, bien-aimés. Parce que nous portons la lumière du Seigneur. Nous sommes là pour changer le monde. Nous sommes là pour changer des systèmes. Nous sommes là pour apporter la clarté. Nous sommes là pour apporter l'amour. Et c'est comme ça qu'en Romains chapitre 8, à partir du verset 17, le dernier, nous serons glorifiés avec lui. Nous serons comment? Mais lorsqu'il le dit, quand tu continues, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc la Bible estime que ces souffrances-là mais sont inférieures. C'est inférieur. Manifester l'amour, mais qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques à manifester l'amour? Mais tu ne risques rien. Ce sont des gens qui vont vouloir te faire du mal parce qu'ils ne se reconnaissent pas en toi, parce que vous ne partagez pas les choses ensemble. Mais la Bible nous fait comprendre, mon fils, continue de manifester l'amour, car je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Si parce que tu as décidé de me servir, les gens veulent te couper les vivres, moi, je te donnerai toujours les vivres. C'est pour ça que la parole de Dieu que tu dis, mais c'est lui qui perdra sa vie pour moi, gagnera une vie comment? Mais meilleure. Il parle comme un prophète. Il te dit, ne crains rien. Si tu dois perdre des choses, pas parce que tu allais voler, hein? Non. Hein? Si tu dois perdre des choses à cause de moi, mon nom, fils, tu gagneras quelque chose de meilleur que ça. C'est moi qui le dis. Et quand Dieu parle, toi qui tu es pour douter de cette parole-là? S'il dit qu'il va te donner le meilleur, c'est le meilleur. Bon, imagine-toi, Dieu dit que c'est meilleur. Mais ça ne pourra qu'être meilleur. Ça ne peut pas venir comme toi tu veux. Mais quand lui, quelqu'un qui a l'omnipotence, qui a l'omniscience, qui a l'omniprésence, quand il te dit que c'est bon, c'est parce qu'il a calculé tout ça en même temps. Il te dit que c'est bon. Tu peux voir qu'est-ce qui est compliqué maintenant. Mais à la finalité, tu vas dire, oh, Seigneur, tu es bon. Jamais tu pouvais imaginer que ça allait être comme ça. Jamais. Mais le problème avec toi, c'est pas ça. Toi, tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas souffrir. Voilà pourquoi même il a dit wassa wassa. Quand vous partez chez vos féticheurs là, c'est comme ça, on dit wassa wassa. Tu es là. C'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas la souffrance. Tu ne veux pas la difficulté. Toi tu veux de là. Mais là, d'une manière ou d'une autre, tu as porté cette souffrance là. Mais la souffrance de Christ, c'est l'amour que tu vas manifester. Là où on te demande de haïr, toi tu ne vas pas haïr. Là où on te demande de détester, toi tu vas aimer. Là où on te demande de voler, tu ne vas pas voler, tu vas restaurer les gens. C'est ça, cette souffrance-là. Mais qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est compliqué là? Et parler de son amour. Donc, bien aimé dans la foi, c'est un peu la continuité de ce que nous avons vu au troisième numéro. Lorsqu'on parle d'héritage, on ne parle pas seulement que de quoi? Des miracles, des signes, des prodiges. On parle aussi de la souffrance de Christ. Nous sommes là comme des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seulement que de l'argent. À chaque fois même que tu plies genoux pour prier, tu ne pries pas pour la conversion des âmes. Comment est-ce que Dieu va te donner le pignac?
vous remplir ici, là, c'est facile. Chaque personne qui vient avec deux personnes, la personne a 10 000. Vous voyez que pour remplir, ça sera facile, non? Les hommes vont venir à cause de quoi? À cause du Mazaré. Mais ils ne viendront pas à cause de Christ. Et je veux que toi, tu envoies les gens à cause de Christ. Et fais venir les gens à cause de Christ. Ce n'est pas l'argent. C'est comme ça qu'il y a des gens encore qui ont un esprit qui est tellement tordu. Le problème avec moi, c'est que avant même de parler du Saint-Esprit, j'ai beaucoup d'expérience. Et j'ai été dans ce monde-là. Et j'ai été à outrance. Donc quand les gens me font des phases ici, là, comme ça, je me joue les gawas. Mais si tu es trop hier, ce n'est pas bon. Tu fais comme si tu ne connais pas. Mais toi, si tu ris, tu dis, mais ça, c'est la plaisanterie. Mais des gens, mais qui vont venir à cause des transports. Pour avoir l'argent. Non pas pour le culte. Mais c'est triste. Nous sommes là pour Christ. Christ. Le pasteur, c'est la prédication qu'il te donne quand tu vas l'accepter qu'il aura une transformation. C'est le Seigneur qui fait à partir de l'intérieur. C'est lui seul qui le fait. Il y a des gens à qui, dans cette mission, parce qu'ils ont demandé quelque chose qu'on n'a pas donné, ils ont fouillé l'église. Mais tu es venu pour quoi? Pose la question à ton ami, tu es venu pour quoi? J'ai besoin d'une mission qui va me faire voir véritablement le Christ. J'ai besoin d'une mission qui va me faire voir vraiment ce que je suis devenu en Christ. J'ai besoin d'une mission qui va me faire voir Christ. La Bible déclare que Dieu illumine les yeux de votre cœur. J'ai besoin de ce pasteur qui va venir illuminer mes yeux pour que je puisse voir le Christ. Mais moi, je cherche une église où il y a beaucoup de belles femmes. Ah, champion, il faut arrêter ça. Je cherche une église et j'ai une dame qui m'a dit, je ne peux pas venir dans cette église-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Je ne peux pas venir ici piéton, hier retenu ici piéton. Au moins, s'il y a quelqu'un qui a une voiture, il peut me déposer. Donc, quand il y a beaucoup de voitures, ils peuvent rentrer. Mais s'il n'y a pas de voiture, ça veut dire que les gens qui sont là-bas, là, c'est des déchargés. Ils sont au sous-sol. Alors que c'est des chargés de nouveau modèle. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Mais ils sont plaidés en Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Nous rentrons maintenant chez Jean chapitre 16. À partir du verset 1er. Jean chapitre 16. À partir du verset 1er. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils l'ont connu ni le Père ni moi. Voici les conseils en tant que prophète. Le Seigneur nous libère des paroles qui vont venir bientôt. Il est prêt à s'en aller. Lorsque nous allons continuer le chapitre, vous allez comprendre qu'en réalité, il va dire que faille que je m'en aille. Donc, il est au soir de son départ. Donc, il est en train de donner comme un prophète des choses qui vont arriver bientôt. C'est-à-dire, il nous parle avec assurance parce qu'il sait que son esprit sera en nous. Il sait que ce monde-là est compliqué. Il y a la domination du diable sur cette terre. Mais il nous dit avec assurance. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur est prêt à s'en aller, c'est parce qu'il sait qu'il y a une présence qui sera avec vous continuellement et que rien ne pourra vous vaincre. Mais avant ça, il nous donne des messages. Il va commencer à prophétiser pour des choses qui vont arriver. Il ne faudrait pas que quand ces choses-là arrivent et que tu sois étonné et ces choses-là vont te faire trébucher. Donc il faudrait comme un prophète te dire ce qui doit arriver. Et quand ces choses-là vont se manifester, tu vas reconnaître que mon maître m'avait déjà. Donc ça ne pourra pas te faire chuter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ne soit pas pour vous une occasion de chute. Parce que si tu n'as pas reçu l'information, que tu trouves certaines choses, tu te dis, ah, mais cette histoire de Jésus, là, mais c'est comme ça. Mais c'est mieux, j'ai abandonné. N'est-ce pas? Nous continuons. Il dit, ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu.
Il dit, il y a des gens, parce que toi tu portes le nom de Christ, parce que toi tu portes l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, ces personnes-là vont vouloir te tuer. Et leur motivation pour eux, c'est pour rendre gloire à Dieu. Le fait que toi tu puisses mourir. Parce que les gens vont essayer de nous faire du mal. Tel qu'on a fait du mal à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il était différent, ces personnes-là. Ils n'avaient pas le même esprit. Ils ne connaissaient ni le Père. Ils ne connaissaient ni le Fils. Donc nous sommes comme des étrangers. Nous sommes comme des étrangers voyageurs. Mais c'est ce que Pierre a dit. Donc lorsque les gens nous voient, par notre manière de faire, par notre approche, mais ils savent que ceux-là, ils ne sont pas des nôtres. On doit les tuer. Toi, le fait du mal. Est-ce que tu sais que, bien aimé, les gens ont commencé à parler sur ton dos parce que toi, tu as décidé de prôner le Christ. Parce que toi, tu as décidé de servir ton Seigneur. Parce que toi, tu as décidé de dire, oh, ce que les gens disent pas. À cause du nom de Christ, il y a des gens qui ont fait cette promesse-là que toi, tu ne vas pas évoluer. Ce sont ces souffrances-là que nous sommes en train de porter, bien aimé. Il y a des gens qui vont se lever, s'asseoir dans les chaînes de télé, qui disent qu'ils sont des kémites. Nous utilisons le Dieu des blancs, alors que nous avons des dieux ici, des fétiches ici, des canaries ici, des animaux qu'on doit égorger, de laisser Jésus-Christ et de venir suivre leurs ancêtres. Comme si au commencement c'était les ancêtres, alors que au commencement c'était Dieu. Et ces personnes-là vont vous détester. Parce que tu parles de Jésus-Christ, tu seras humilié. Parce que tu parles de Jésus-Christ, tu seras saboté. Parce que tu parles de Jésus-Christ, tu ne pourras pas être aimé. Tu peux être même dans un bureau. Et quand tu arrives, Seigneur, je te rends grâce. Bon, c'est le mouvement qu'on est en train de faire ici, là. On dirait que le gars là va venir gâter notre mouvement. C'est pas mieux à nous chasser d'ici. Il y a des gens dans des bureaux qui ont été mutés parce qu'ils portent le nom de Jésus-Christ. Mais là où ils sont arrivés, la gloire de Dieu s'est manifestée là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Ne te laisse pas impressionner parce que ces gens-là seront en train de faire. Mais laisse-toi transformer par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, lui là, façon il a commencé à faire ses prières là, est-ce qu'il ne va pas venir gâter notre mouvement? Vous savez sur quoi on est assis ici? Donc si ce gars-là vient ici là, il va venir mettre ça dans notre atelier. C'est mieux, on a commencé à écrire sur lui pour le chasser d'ici. À chasser. Et on les a chassés. Mais lorsque tu as le Christ en toi, lorsque tu sais en qui tu as cru, même quand tu donnes une lettre de démission et que tu pars, tu as l'assurance que celui qui t'a donné te donnera quelque chose de meilleur. Parce qu'il a dit, si tu perds ta vie à cause de moi, je te donnerai quelque chose de meilleur. Il dit, il te donnera quelque chose de meilleur. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il accomplit toujours au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur d'un homme. Non. L'homme peut faire quoi? L'homme peut rien faire. Quand tu vois certaines personnes, moi j'ai été fermer la porte. Toi-même, tu l'as et puis tu ris. Toi, tu peux fermer la porte à moustique. Et puis c'est à moi, toi, tu as fermé la porte. Mais c'est la plaisanterie. Mais ça ne pourra que marcher sur toi lorsque tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu ne peux pas te revêtir du Saint-Esprit. Et puis quelqu'un qui va te fermer la porte et puis tu commences à pleurer. Mais qui te ferme cette porte-là? Ça sera une opportunité pour qu'une autre porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de voir d'autres horizons. Donc laisse-moi manifester la grâce de Dieu qui est en moi. J'ai besoin que cette grâce-là puisse s'épanouir. Et pour que la grâce puisse s'épanouir, mais viens secouer cette grâce-là. Et tu verras ce que le Seigneur fera au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père, ni connu le Fils. Mais quelqu'un qui n'a pas connu le Père, mais comment est-ce que toi tu veux qu'il t'aide à faire ton culte? Quand tu comprends que les gens veulent venir prendre gay sur Jésus-Christ qui est mort,
sous prétexte que lorsque nous sommes en train de faire des chants, nous nous inspirons de la Bible. Donc parce que nous inspirons de la Bible et que Jésus est mort, ça revient directement à l'État. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas le même esprit. Ça, on n'a pas besoin de comprendre. Donc, lorsque tu vois ces choses-là arriver, il ne faudrait pas que tu sois ébranlé. Tu comprends qu'en réalité, nous n'avons pas le même Père. Et quand tu sais que tu as le même Père avec quelqu'un, tu ne peux que rendre à gloire. Et toujours prier pour ces personnes-là qui ne sont pas encore converties. Parce que ce n'est pas eux. Ils sont sous l'influence du diable. Ils sont sous l'influence de l'ennemi. Il faut toujours croire. Ce sont des prophéties que le Seigneur nous a données. Ce ne sont pas des choses que nous rencontrons parce qu'il faut rencontrer. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Remplace ici synagogue, parce que la synagogue, autrefois dans l'Ancien Testament, c'est là-bas que les gens se regroupaient pour pouvoir lire la Torah. Donc nous n'avons pas des synagogues. On peut avoir des rassemblements comme ça. Parce que c'est une église de Dieu. Tu chasseras. Ces choses-là peuvent arriver. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Les gens peuvent vouloir même faire des coups afin de pouvoir brûler ton église ou casser des choses. Même si ces choses-là arrivent, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et quand ces choses-là viendront, nous avons toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Rien, je dis rien, ne pourra nous ébranler. Rien. Il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Étienne, il est mort jeune. Il a été lapidé. Mais pourquoi? Parce qu'il était en train de parler de Jésus-Christ. Et pendant qu'il était en train d'être lapidé, bien aimé, cette déclaration, encore avec Jésus, tu me diras que c'est Dieu lui-même qui était là. Mais Étienne était de la même nature que toi et moi. Né pécheur, mais restauré par le Seigneur à son esprit. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous devons avoir cette capacité de pouvoir dire, même quand ces personnes-là arrivent à nous faire des choses, oh là là, qu'on ne peut pas imaginer. Père, je ne suis pas en train de dire comme un Ivoirien, où toi-même ton cœur est chargé, Père, laisse-le, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas, Père, toi-même ce que tu es en train de faire sortir, ce n'est pas le faire par l'âme, non. Mais c'est cet amour-là vrai pour dire, donc ce n'est pas de sa faute, c'est le diable. Il est encore sur le pouvoir esclavagiste de Satan. On doit prier pour cette personne. On doit lui annoncer l'évangile pour qu'il y ait cette transformation. C'est ça qui doit nous animer, bien-aimés, dans la foi. Quand tu prends à partir du verset 19, Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Pourquoi? On va prendre à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Donc j'étais en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il devait partir. Donc avant de partir, il était en train de donner des enseignements à ses enfants. Il était en train de parler à ses enfants. Comme un prophète, il était en train de donner les événements qui allaient arriver. Donc il ne faudrait pas qu'il soit éparpillé, qu'il n'ait aucune crainte. Il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit encore? Un peu de temps, nous savons de quoi il parle. » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. » Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurez et vous, vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Donc ces personnes étaient tristes, pourquoi? Parce que le maître devait, tu vois, lorsque tu as confiance véritablement à une personne et que tu sais que c'est lui ton Messie, c'est lui le roi, ils ont tout abandonné, ils ont commencé à marcher avec Jésus-Christ. Et voici maintenant le maître qui dit, moi je vais partir dans un peu de temps, vous ne me verrez plus. Donc il y avait une tristesse qui a envahi ces personnes-là dans leur cœur. Mais pourquoi tu vas partir, papa?
mais est-ce que je pourrais vivre dans ce monde-là seul? Mais le Seigneur savait très bien que lorsqu'il serait en train de partir, il déposera son esprit en eux. Et son esprit leur donnera cette capacité à pouvoir tenir ferme lorsqu'il aurait des temps, mais difficiles. Donc il est dit, ne vous inquiétez de rien. C'est parce que je vous ai dit que je suis en train de partir que vous avez commencé à manifester une très grande, mes souffrances. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faudrait que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Ce que nous appelons la Pentecôte. Pour que le Saint-Esprit soit là. Et en ce moment, bien-aimé, quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés que tu pourras voir, bien-aimé, il ne faudrait pas que tu puisses te lamenter pour quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit te prendra en charge. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit vient, il joue deux rôles. Il joue le rôle dans la vie de celui qui n'est pas sauvé, et il joue le rôle dans la vie de celui qui est sauvé. C'est comme ça que lorsque tu lis à partir du verset 5 de Jean chapitre 16, il dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et chacun de vous me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient dans le monde, c'est pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Il ne convainc pas le chrétien, mais c'est le monde qui va convaincre. Mais convaincre de quoi? Mais parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Il y a certaines personnes qui prennent ce verset-là pour dire « Le Saint-Esprit vient me convaincre que j'ai volé. » Est-ce que toi, tu as besoin de Saint-Esprit pour savoir que tu viens de voler? Tu sais très bien que tu as volé. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit pour savoir. Donc aujourd'hui, ce qui condamne les gens, ce qui nous condamne, ce qui fait que nous n'avons pas accès au Père, ce ne sont pas les impairs que nous faisons, parce que par le sang de Jésus-Christ, il a pardonné totalement nos fautes. Ce qui fait que nous sommes damnés, c'est parce que nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà comment? Il est déjà condamné. Donc quand le Saint-Esprit vient dans le monde, il vient nous faire comprendre qu'en réalité, la justice, c'est le Christ. Et si tu ne crois pas au Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? La Bible dit que lorsqu'il viendra, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et quel est ce péché-là qui te condamne? C'est le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les bonnes œuvres que toi tu pourras faire sur la terre, tu es damné. Parce que ce qui nous conduit au Père, voilà pourquoi il dit je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis un chemin, donnant ainsi la possibilité à d'autres moyens de parvenir au Père. Il dit je suis le chemin, c'est l'absolu. Parce que c'est en lui que nous avons le pardon des péchés et la rédemption. Donc si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas être sauvé. Donc ne pense pas que le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un qui a revêtu, qui est véritablement enfant de Dieu et convainc cette personne-là que vraiment le Saint-Esprit te convainc parce que tu as péché. Non, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, c'est que ce que tu viens de faire là, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas manifester autre chose que l'amour. Donc le Saint-Esprit ne vient pas jouer ce rôle-là dans ta vie. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de celui qui croit? C'est au verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie de celui ou de celle qui a reçu véritablement le Seigneur, quel est ce rôle-là qu'il joue dans notre vie? Il vient nous conduire dans toute la vérité. Parce que quand le Seigneur était là, c'est ce qu'il a dit, il faille que je m'en aille. Parce qu'il y a des vérités, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Parce que ces vérités étaient liées à l'œuvre de la croix. Donc il fallait d'abord qu'il meure, qu'il soit enseveli et que cet héritage-là soit vrai dans ta vie. Alors que s'il était en train de révéler ces héritages-là, mais il n'allait pas comprendre, il fallait d'abord qu'il puisse mourir, qu'il soit enseveli et qu'il soit ressuscité. Et c'est comme ça qu'il va revêtir par son esprit Paul, afin de pouvoir révéler qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant en Christ. Le Saint-Esprit, nous connaissons véritablement le travail qu'il a fait. Mais quelle est la valeur spirituelle de sa mort? Oh, Paul me fait comprendre que la valeur spirituelle de sa mort, c'est un autel qu'il a bâti. Et cet autel qu'il a bâti vient détruire tous les autels de ma famille au nom de Jésus-Christ. Et en Christ, je n'ai pas besoin de venir bâtir encore un nouveau autel. Parce que l'autel de Christ me suffit largement afin de pouvoir détruire tous les autels qui ont été dressés contre ma vie. C'est dans les épîtres que nous arrivons à croire et nous arrivons à voir que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est dans ces épîtres-là que nous arrivons à croire, que nous arrivons à voir, mais ces vérités extraordinaires. Le mot comme adoption, mais c'est après quand le Saint-Esprit est venu, il a saisi l'apôtre Paul et il a commencé à nous parler des termes comme adoption. Nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Donc nous avons compris par le Saint-Esprit que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, là tu vois seulement qu'un homme, regardez ce qu'il est en train de dire. Quand tu continues au verset 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. On dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de eux. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui agit en nous. Et cette puissance-là vient nous faire connaître le Christ. Cette puissance-là nous donne à vraiment connaître Jésus-Christ. Il n'aura pas un thème qu'on appelle Saint-Esprit. Il n'aura pas de thème qu'on appelle Saint-Esprit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit vient là, il a un seul objectif, c'est de révéler Christ. C'est-à-dire, Dieu revient sous forme esprit et Dieu se prêche lui-même. Mais toi, tu es un homme, tu ne veux pas prêcher lui-même, tu veux aller prêcher un ange, tu veux aller prêcher quelqu'un d'autre, tu veux aller prêcher un homme ou tu veux venir faire maintenant de la philosophie. C'est-à-dire, lui-même, il vient en esprit afin de pouvoir prêcher le Christ dont nous sommes en train de voir Christ qui est en train de prêcher Christ. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui. Mais comment est-ce que toi tu viens au nom du Seigneur et tu parles de ta vie? On va faire quoi ta vie? Parlons de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit n'a qu'un seul rôle, c'est de révéler le Christ. C'est ce qu'il a dit. Il dit, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez, il y a eu le Père, il y a eu le Fils, mais moi, je suis le Saint-Esprit. Donc vous devez maintenant adorer. Adorer le Saint-Esprit. Non. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc le véritable Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas pour révéler la prière puissante d'un homme de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas pour venir révéler les corps de mariage. Le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas pour révéler comment faire pour passer ton mari spirituellement. Il viendra parler de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand il est parti à la terre? Quel est
donner la part spirituelle de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est ça qui va venir nous révéler. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, j'ai entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Des mystères qui dépassent l'entendement humain. Si je dois me glorifier de cette personne-là, mais je me glorifierai. Mais non, que de mes faiblesses. Afin que nous puissions annoncer ce nom de Christ. Donc quand le Saint-Esprit arrive, peut-être dans ton esprit, ah, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas trop du Saint-Esprit. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est par sa force qui est en moi que nous arrivons à révéler la pensée de Dieu. Parce que c'est par le Saint-Esprit, nous arrivons à sonder les profondeurs de Dieu. Mais l'esprit humain ne pourra que sonder l'esprit humain. C'est ce que 1 Corinthiens dit. Mais comment est-ce que toi tu vas sonder l'esprit de Dieu? Avec ton esprit humain? Non. Nous sondons les profondeurs de Dieu avec la pensée de Dieu qui est en nous. Avec la pensée de Christ. Avec l'esprit de Christ qui est en nous. Et c'est comme ça que la Bible déclare qu'il fera monter des choses dans notre cœur. Mais parce que c'est lui qui a cette capacité de puiser ça en lui et de te révéler. Voici le travail du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous amène à voir le Christ. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons pour le célébrer, lorsque nous venons pour le louer et que nous avons le temps de la parole, cette parole-là, c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à montrer qui? Mais Christ. Mais comment est-ce que toi tu peux être dans une assemblée et le nom de Jésus-Christ est cité au début et à la fin? Et tout ce qui reste, c'est le coaching. Mais tu es un homme. Un homme, il ne faut pas te laisser dominer par la femme. Parce que si tu domines par la femme, Dieu ne va pas aimer. Parce que Dieu a créé l'homme pour dominer la femme. Amen. Oh papa, là, mais il prêche bien. Toi, tu as besoin de venir à l'église pour dire ça. On n'est pas là pour le développement personnel. On est là pour le développement de Christ qui est en nous. On est là pour développer le Christ qui est en nous. On n'est pas là pour développer l'homme. Parce que celui qui vit en toi, ce n'est pas l'homme. C'est Christ qui vit en nous. Donc le Saint-Esprit vient pour développer la pensée de Dieu en nous. C'est Dieu que nous voulons voir. C'est son esprit que nous voulons connaître. Nous voulons connaître tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous voulons le voir véritablement au travers de ses écrits. Le Saint-Esprit arrive, il vient pour révéler. Quand le Seigneur était là, c'est comme ça qu'il a marché avec amour. Manifeste l'amour, mon fils. Manifeste l'amour. Quand il marchait, il passait son temps à guérir. Vas-y, impose, prie. Apporte la bonne nouvelle. La Bible a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Vas-y, annonce la bonne nouvelle. Tout ce qui est vrai pour Jésus, mais est vrai pour ta vie, à la foi. On n'est pas là pour faire le culte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir nous visiter. Le Saint-Esprit est venu pour te révéler le Christ. Il n'est pas venu pour te visiter. Il est venu pour te révéler le Christ. Est-ce que quand tu vas à l'église là, est-ce que le Christ est révélé? Parce que si tu n'as pas une bonne conception de Jésus-Christ, mais comment est-ce que tu pourras marcher? Si la connaissance que tu as de lui est biaisée, mais comment est-ce que tu pourras marcher? Il faudrait que tu aies une pensée claire. Il faudrait que tu aies
véritablement à connaître le Seigneur. Est-ce que vous savez que pendant vos prières, vous avez déclaré des choses alors que vous n'avez pas lu dans la Bible? Cela témoigne qu'en réalité, c'est l'Esprit Saint qui connaît toutes choses. La Bible même est en lui. Et lorsque nous sommes en train de prier, il y a des choses qui sortent. Et tu réalises que ah, quand tu es en train de prier, tu as dit ça alors qu'il est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que tu diras des gens qui n'ont jamais lu la Bible? Des gens, des femmes, des hommes qui ne savent pas lire. Mais la pertinence souvent de leurs mots dans la prière, soit en ethnie, mais c'est époustouflant. Et quand tu parles, tu vois textuellement la parole de Dieu qui se dessine. Et nous arrivons à le voir. Mais ça, c'est le travail de quoi? Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Parce qu'il révèle. Il révèle qui? Il révèle Christ. Mais c'est Christ qui révèle. C'est le Christ qui révèle. C'est la parole qui révèle. Il y a eu des gens comme les Watchman Nee qui ont écrit plus de 40 livres. Ces personnes étaient en prison. Sans Bible. En prison. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour écrire? Mais c'est la puissance du Seigneur. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait la Bible, convient que ce qui était, ce qui existait, c'était seulement que la Torah. C'est parce qu'il était inspiré du Seigneur qu'il a fait maintenant des lettres que nous sommes en train d'étudier. Donc si toi, le Saint-Esprit en toi, tu vas voir que tu auras des pensées, des paroles, parce que le Saint-Esprit a cette capacité de sonder les profondeurs de Dieu. Mais toi, tu sondes les profondeurs de quoi? Tu sondes les profondeurs de quoi? Aucune intimité. Mais tu as tapé ta poitrine, ça te fait mal, c'est enfant de Dieu. Tu sondes les profondeurs de quoi? Les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas la Bible. C'est eux qui ont écrit les épîtres. Mais ils ont été inspirés. Par quoi? Par le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de ma part. C'est comme ça que même quand tu pries, c'est parce que c'est poussé. Il y a des prières que toi-même tu fais, quand toi-même tu écoutes, tu rigoles. Parce que tu sais que c'est la plaisanterie. C'est souvent, mais tu es là même, tu as honte depuis que tu as endormi. Parce que tu sais que c'est des bêtises, tu es en train de dire Seigneur, toi-même tu sais que je suis fatigué. C'est les bêtises que tu es en train de faire. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de nos paroles. Même la prière, c'est poussé par le Saint-Esprit. L'adoration, c'est poussé par le Saint-Esprit. Toute chose poussée par le Saint-Esprit. Une chose qui n'est pas poussée par le Saint-Esprit, c'est ta chair qui est engagée. Et là où ta chair est engagée, le Seigneur n'est pas dedans. Parce que pour adorer l'Esprit, il faut l'adorer en esprit et en. Tu ne peux pas venir adorer dans le mensonge et dans la chair. Nous adorons le Seigneur en esprit, mais et en vérité. Donc voici le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Voici le travail du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à comprendre, Saint-Esprit, 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 montre-moi où mon bic est tombé. Saint-Esprit, montre-moi où mon bic est tombé. Il y a des, c'est parce que vous avez des arrière-plans, des vrais féticheurs. Il y a des choses qui ne marchent seulement qu'en Afrique. Tu ne peux pas passer ce genre de choses en Europe. Parce que vous êtes des vrais commiants. C'est-à-dire, les choses que vous, on vous a données depuis vos familles, là, vous avez transporté ça en Christ. Il ne faut pas t'abaisser pour aller chercher ton stylo. Saint-Esprit, le bic est où? Le Saint-Esprit est en train de jouer à moi. Et puis il y a des gens qui ont des témoins comme ça. Moi je parle de Saint-Esprit. Qu'à chaque fois que je fais. Ton gars là, il s'appelle comment? Les cathos là, dites-moi le nom de votre gars là. Il s'appelle comment? Quand tu perds quelque chose et puis tu retournes là. Ah, Padre Bio. Ah, c'est ça, on entend de Padou. Ah, on sent qu'ils ont ce ministère là. Toi, il paraît-il que quand ton bic se perd ou la clé de la voiture, sans t'entendre pas d'où, dis-moi la clé par l'Esprit de Dieu. Et bam, ça apparaît. Et hey, toi là, vraiment, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous pensez que c'est de l'amusement, le Saint-Esprit là? Vous pensez que c'est un jeu? Le Saint-Esprit a un seul rôle. Et quel est ce rôle? C'est de révéler le Christ. Il n'a pas d'autre rôle que de révéler le Christ. Seigneur, rien que le Christ. Rien que le Christ. Rien que le Christ.
Seigneur se révèle à Nathanaël. Et il dit à Nathanaël qu'il était en bas d'un bois, d'un arbre. Nathanaël commence à croire. Il dit, pour peu de choses comme ça. Mais tu commences à croire, mais il aura de plus grandes choses. Il aura de plus grandes choses. Il a vu seulement que le maître, il a cru en lui. Mais toi, tu veux qu'on parle de tes arrière-grands-pères. Tu veux qu'on donne le nom du feuillage où tu étais assis. Tu veux qu'on donne le nom de la marque de ce que tu as porté. Mais c'est quoi ça? Lorsque je vois 459 000. C'est ça qui est dans ta poche. Et non, papa. Papa, là, le Saint-Esprit m'a révélé. Le Saint-Esprit m'a dévoilé. Donc, nous, les pasteurs qui prêchons la grâce, ça sera compliqué. Si on n'arrive pas à donner le montant qui est à ta poche, là, comment tu as fait pour lui donner? Donc le Saint-Esprit vient nous parler de Christ. Bien-aimé de Christ, pas autre chose. De Christ. Tu dois être embrigadé de la conscience de Christ. Matin, c'est le Christ. À midi, c'est le Christ. Le soir, c'est le Christ. Lorsque tu veux exhorter une personne, c'est le Christ. Tout ce que toi, tu dois faire, tout doit tourner autour de la personne de Christ. Bien-aimé, il faudrait que nous arrivions à vivre à un niveau où ce soit seulement que Christ qui soit révélé au monde entier. Pas de système, pas de méthode, pas de stratégie. Aujourd'hui, nous sommes habitués à des stratégies. Mais comment faire pour que ta prière soit exaucée? Parce que montre-moi tes stratégies. Comment est-ce que toi tu pries, pasteur, pour que les choses marchent? De la manière dont je prie, c'est comme Jésus prie. Père, je te rends grâce. Et les choses sont vraies. Il n'y a pas d'autre stratégie. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a rien que ta voix, la pensée de Christ. Bien-aimé, voici le rôle du Saint-Esprit. Nous avons commencé ce séminaire et nous avons vu que le Saint-Esprit a fait de notre corps son lieu d'habitation. Lorsque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et pour que nous puissions vivre sur cette terre, nous avons besoin de la connaissance. C'est comme ça que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la quoi? La connaissance. Donc qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour que toi tu puisses ne pas périr? Il te faut maintenant de la connaissance. Donc le Saint-Esprit vient pour te donner cette connaissance-là. Cette connaissance. Ah. J'ai une nouvelle fille qui vient d'arriver à la maison. Elle dit, papa, je vais travailler chez toi. Mais il faut m'accorder vraiment 3 jours quand le moment va arriver. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je dois partir de mon village pour aller détruire des hôtels qu'ils ont ici. C'est à cause des hôtels à qui je ne peux pas réussir. Je suis là, je ne sais pas quoi. Elle est déjà dans son système. Il dit, si tu lis la Bible, elle dit oui. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Elle dit non. Il dit, oh. Maintenant, comment tu vas faire? Elle dit, la prophétesse dit, on doit partir au village afin de partir poser des hôtels. Je ne sais pas comment faire pour m'asseoir. Il y a le travail. Elle peut penser qu'en réalité, c'est parce que peut-être je vais l'amener à l'église. J'ai dit, mais est-ce que tu connais le verset qui dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet? Est-ce que tu connais? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle ne peut pas expliquer. Est-ce que tu connais un verset de la Bible? Est-ce que tu connais quelque chose du Seigneur? C'est plat. Les gens souffrent, c'est vrai. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui demandes de te délivrer. Il savait ça déjà. Voilà pourquoi il est venu à la croix pour mourir pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Afin d'être délivré de tous ces genres de choses-là. Mais comme nous ne voulons pas de relation avec le Seigneur, on veut toujours mettre des intermédiaires entre nous. On veut toujours aller bâtir des hôtels. On veut toujours aller faire des offrandes sacrificielles. On veut toujours poser certaines actions afin d'être délivré. Mais le Christ ne sert à quoi? Et comme tu ne sais pas ce que Christ est venu faire pour toi, Dieu a pensé encore à toi. Il a envoyé son esprit. Il n'est pas seulement que consolateur. Il est aussi celui qui révèle ce que Christ a fait pour toi. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire avec assurance, à chaque fois
pas que tu vis sur le standard divin, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Si tu connais Christ, non, je crois que tu ne le connais pas. Parce que la Bible dit qu'il te sera difficile de régimer. Il a dit à Paul, Paul qui pouvait tuer, comme dans Jean chapitre 7, verset 1er, il y a d'autres qui vont venir tuer les gens pour rendre culte à Dieu. Donc lorsque l'apôtre Paul faisait, il le faisait avec amour et zèle. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur, il ne pouvait plus continuer son activité. Et si toi tu continues à vouloir vivre comme toi tu veux, j'aimerais te dire avec assurance que tu ne connais pas encore Christ. Et si tu connais, après ce séminaire, après cette prédication, ton orientation va changer. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la pensée d'un homme, c'est la pensée de Christ. Et si tu ne t'es pas informé, le Saint-Esprit en toi te donnera la force d'être meilleur. Mais si après ça, tu continues à vouloir vivre comme toi tu as envie de vivre, c'est que tu ne connais pas encore le Christ. Lève-toi avec moi. Seigneur, j'aimerais te connaître. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit viendra nous conduire dans toute la vérité. Je veux te connaître dans toute ta splendeur, Seigneur. Je veux te connaître dans toutes tes facettes, Seigneur. Père, révèle-toi encore à moi. Je suis victime encore des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Mais la vraie raison, c'est l'ignorance. La raison de cette souffrance, c'est parce que je ne sais pas ce que tu as fait pour moi. Seigneur, révèle-toi encore à moi. Seigneur, révèle-toi. Vas-y, prie avec moi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Le Saint-Esprit est venu afin de me conduire dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité, Seigneur. Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Toute la vérité, Père. Conduis-moi, Père, dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. La vérité qui est liée à Christ. Par la vérité qui est liée aux hôtels sataniques. Par la vérité qui est liée aux enfoutements de ma famille. Par la vérité qui est liée aux malédictions générationnelles. Mais la vérité est liée à tout ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Vas-y, célèbre-toi. Vas-y, parle à ton Père. Vas-y, dis-lui. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre l'entendement de mon esprit. Seigneur, que j'arrive à te voir. Que j'arrive à te voir, Père. Que j'arrive à te voir. Que j'arrive à voir les maîtres cieux. Que j'arrive à voir tes maîtres cieux. Parce que tes maîtres cieux sont là pour ma guérison. Pour ma guérison. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Éclaire encore ton peuple. Il illumine les yeux de tes enfants, Seigneur, afin qu'il soit le Christ par ton esprit. Éclaire-nous, Seigneur, par ton esprit, éclaire-nous, et que nous arrivions à te voir tel que tu es, Adonai.
Tu vas prier, Seigneur. Tu vas dire après moi, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, Seigneur. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Éclaire-moi par ta parole. Éclaire-moi par ta parole, Seigneur. Je te le demande, Père. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. J'arrive à vivre comme je veux parce que je ne te connais pas. Révèle-toi encore à moi. Au travers de cette prédication, éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Comme ton apôtre pouvait le dire, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Afin de voir la gloire qui est attachée à toi. Cette gloire, Seigneur, je veux la vivre tous les jours de ma vie. Je veux la vivre, Seigneur. Je veux manifester ton amour. Je veux manifester ta grâce. Je veux manifester ton pardon. Je veux manifester autour de toi. La Bible m'appelle un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie. Je veux que l'on me reconnaisse à cause de la vie que je donne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sers-toi de ce séminaire. Afin de pouvoir nous équiper. Afin de pouvoir nous montrer ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Que par ton esprit, que par ton esprit, ce voile qui était sur mes yeux soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, afin de te voir tel que tu es. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tel que toi tu es, tel je suis dans ce monde. Cette parole se réalise au travers de ton esprit en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu ne fais pas, je ne le ferai pas. Ce que toi tu fais, je le ferai. Par l'esprit qui habite en moi. Tu m'as donné la capacité. Tu m'as donné la force de pouvoir aimer. De pouvoir aimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime mes enfants. J'aime tes enfants. J'aime le corps du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour celle qui est mariée ou celui qui est marié, j'aime mon époux. J'aime mon épouse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet amour découle en moi. On me reconnaîtra. Non pas à cause de la fortune, mais à cause de l'amour que je vais manifester. Le véritable amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur des Seigneurs. Alpha et Omega. C'était pour vos départs avec toi. Tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous montres le chemin, Seigneur. C'est toi notre essence, Seigneur. La déclaration de tes enfants, la déclaration des hommes saints, des femmes saintes, des hommes justes et des femmes justes, Seigneur. C'est du tréfonds de leur cœur qu'ils ont déclaré ces paroles, Seigneur. Et tu as dit, quiconque invoquera mon nom ne sera point confus, Seigneur. À l'unisson, nous avons invoqué ton nom, Père, par ton esprit. Révèle-nous ce que nous sommes devenus en Christ. Ah, Saint-Esprit, fais ton ministère. Montre-nous Jésus-Christ. Montre-nous le Christ. Montre-nous ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, quand tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, nous le croyons parce que tu as fait un combat extraordinaire pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons son nom. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré et tu m'as donné les nations d'héritage ainsi que les extrémités de la terre pour possession. Toute activité et projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ.
Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Tu réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé, sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et cela, mon âme le reconnaît bien. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi, afin que je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin. Dis-lui que le Saint-Esprit te pousse à manifester un amour vrai. Dis un amour vrai. Un amour vrai. Un amour vrai.